à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau J'ai testé pour vous, le premier de l'année 2024, année olympique. Et on se retrouve à la plaine des sports de Cugent-Mestras pour nous essayer au pentathlon moderne et on vous emmène avec nous pour une épreuve de laser run. C'est parti. Bonjour. Bonjour Fanny. Enchantée. Alors c'est ici que ça se passe. C'est ça, bah l'hiver surtout. Et du coup, bah là on va commencer par le tir. Où du coup on a une dizaine de cibles avec des pistolets laser. Et du coup on va faire vraiment un échauffement de base pour avoir les fondamentaux. On est accueillis comme des grandes, on a déjà les t-shirts. Alors déjà je vais vous laisser prendre le pistolet. C'est les mêmes choses que le mien. En gros vous avez des gâchettes qui sont juste là. Ça va permettre de recharger. J'aligne mes points de visée et dès que je suis dans le point noir, tac, je tire. Okay. L'objectif c'est d'aligner les 5 LED vertes en le moins de temps possible. Mm-hmm. En sachant qu'on a 50 secondes pour aligner 5. Ouais, super. Là j'ai réussi. Ouais, en moins de 30 secondes. Et du coup là t'as fait tes 5 vertes. Ok. Tu peux aller faire ton tour à toi. Je vais parcourir. Bon alors là l'initiation au tir est terminée. Et maintenant, place à l'échauffement. Ça va Camille? Ouais. Comment ça va? Oh mon dieu, le cardio ça va pas du tout. C'était mieux le tir. Ben là justement on repartirait. On va voir si on est toujours aussi performante après 1,2 km de course. Puis ça va enchaîner là. Course, tir. On va voir. On fait un peu les belles mais comme vous pouvez le voir, on en est encore au niveau enfant. Donc on a encore quelques progrès à faire. Je vous embarque avec moi. C'est parti! Allez! On va faire toute la course. La nuit est tombée, mais l'entraînement continue. Non, la course, c'est vraiment le plus dur. J'en peux plus. Ben voilà, la nuit est tombée, l'entraînement est terminé. Tes impressions, Camille? C'était pas facile. Il faut beaucoup de cardio, mais beaucoup de concentration. Donc c'est pas facile, mais c'est quand même très très ludique et très sympa. Et puis super équipe, il y a vraiment une super ambiance. Les enfants, les hommes, les femmes, tout le monde est mélangé, tout le monde partage ensemble, tout le monde souffre ensemble et tout le monde se soutient. Super club, vous êtes combien d'adhérents? Presque 30. Vous avez quand même aussi quelques pointures dans le club? Tout à fait, on a un athlète de haut niveau qui s'entraîne à l'INSEP à Paris et qui potentiellement peut être au JO. Et bien en tout cas, merci beaucoup pour l'accueil et puis rendez-vous au JO alors. Rendez-vous au JO.